Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller 85. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, on va vous faire partager une journée de malade. Je suis avec Yanoche, salut Yanoche, on fait salut. Comme si on s'était pas vu. Genre pas. C'est pas nous qui avons déballé le bordel. Mais tu es là. Donc Yanoche FPV, modérateur avec moi, avec Xavier également, avec Fab Crashman, bisous à eux, du groupe Les Tazous sur Facebook. Et puis en vacances en Vendée. Eh oui, j'en ai profité pour venir te voir. T'as vu? Écoute, on pouvait pas faire autrement. Non. Donc, on se fait une petite journée ensemble. On est arrivé au parc. Moi, j'appelle ça le champ du saphir, alors que certains l'appellent le champ du drapeau banania. Ouais. Et écoutez, voilà, on s'est préparé. Voilà tout ce qu'on a amené. Donc, moi, j'ai amené quelques petits engins à tester, pour tester quelques caméras, surtout que j'ai reçu de chez FXT. Yanoche pourra me donner son avis sur la question. Alors, bien sûr, on a emmené un petit peu de matériel. Il y a le matos à Yanoche, il y a mon matos à moi. Et on a amené aussi de quoi passer une bonne petite journée. Alors au menu, des œufs durs, des tomates mozzarella, du saucisson un petit peu particulier, du poulet rôti, des M&M's, des chips, du café bien sûr. On a la petite Nespresso Cisno portable qu'on va tester aujourd'hui. Les chips, le pain et les petites mignardises, les petits gâteaux pour finir. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer, même si vous n'allez pas en manger. C'est tout ça, c'est pour nous deux. Plus qu'à installer quelques drapeaux, dont le drapeau banania, la petite gate. Je vais l'installer celui-là. Ouais, c'est toi qui vas l'installer celui-là. Et puis on va vous faire profiter un petit peu de tout ça, en espérant quelques petits crashs, pas trop graves pour nos engins. Et voilà, allez, c'est parti. Yep les amis, ça y est pour le parcours, je vous fais visiter vite fait. Avec Yanoche, on a fait du sport aujourd'hui. La vache, qui dit que le drone n'est pas sportif? Donc décollage, forcément ici. On va partir dans un premier temps autour du premier drapeau banania. On se fait une petite ligne droite ici, on n'a pas mis la gate trop compliquée parce qu'on débute tous les deux. Ensuite on va aller faire le tour du drapeau là-bas, les Tazous, en longeant la haie. Puis après, virage à gauche, on va faire le tour du deuxième drapeau qui est au bout là-bas, le YouTube. Puis les petits cônes rouges signalent le décollage. On va passer dans un trou qui se trouve dans la haie pour se retrouver de l'autre côté. Et donc on aura pris ce petit trou qui est dans la haie, on aura juste à faire le tour de la manche à air, suivre les petits plots pour longer un petit peu la haie, et faire le virage là-bas pour passer dans l'ouverture naturelle où se trouve Yanoche actuellement, et c'est reparti pour un tour. Vive les ouvertures naturelles. Let's go. You said the same thing I told ya, my eyes are clear. No secret, I wanna know, was it serious? I need a clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. Hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of.
of something. Donc c'est l'heure du petit café. Donc je vous en avais parlé, je vous présente la petite Cisno. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai prévu les petites capsules, le petit sucre à côté, les cuillères, les petites tasses. Et ben c'est tout simple. Alors il y a deux systèmes de fonctionnement. Soit on part à l'eau froide et là on a une petite pastille qui va chauffer l'eau. Mais le problème c'est que ça prend à peu près 8 minutes pour faire le café et ça va user à peu près un tiers de la batterie. Donc si vous partez à l'eau froide, vous allez compter 3 cafés avant de pouvoir recharger la batterie et pouvoir en faire d'autres. Mais si vous prévoyez comme moi le petit thermos d'eau bouillante, malin Tintin, vous pouvez faire jusqu'à 100 cafés avec l'autonomie de la batterie, hein, pas avec la même dosette. Voilà, tac. Donc on va juste remplir. Seulement 99. Pas cher. Donc on remplit ici, alors c'est pour faire des expressos bien sûr, donc c'est pas des grands cafés. Si on veut un plus grand café, ben moi j'ai trouvé le truc, il suffit de refaire couler sur la même dosette une deuxième fois et t'as un café rallongé, tout bêtement. Ensuite on va venir carrer sa dosette, normalement on met l'eau après, hein. Je suis un peu stupide. Des capsules Ouais, capsule Nespresso. On vient bloquer, mais j'ai mis l'eau trop tôt, j'aurais dû la mettre après, je suis bête. Hop, et on referme, tout simplement. Ensuite, on maintient le bouton. Alors, il va y avoir un premier bip. Le premier bip, c'est pour l'eau froide. Et le deuxième bip, c'est pour l'eau chaude. Et là, c'est instantané. Alors, je l'allume d'abord. Et je maintiens. Donc, on a les trois témoins de charge. Premier bip. Deuxième bip. Et là, c'est instantané. Donc, la machine va pomper l'eau en premier. Pomper l'eau, pomper l'eau. Voilà. Et ensuite nous faire notre petit expresso. On n'est pas bien là, franchement. Alors, Cisno, fais-nous du café. Un sucre là-dedans? Non, merci. Pas de sucre. Putain, je t'en ai mis un tout à l'heure. Ah non, j'avais ramené la boîte à sucre. Ouais. Non. Moi, oui. Un petit peu. C'est pas bon pour ce que j'ai. Mais tant pis. Moi, je prends du M&M's. Tu mets une cuillère pour la frime. Allez, pas de sucre, mais ça mange du M&M's, ça. Ouais, c'est pas très cohérent. Ah, deuxième bruit. Là, c'est le café qui passe. Tu l'as vu passer? Non. Bip. C'est tellement vite que... Tac. Donc maintenant, on déclipse et on a notre petit café tout mousseux. C'est pas la classe, ça. Comme en restaurant. Hein, en live. Donc tu vois, on a pratiquement... c'est un expresso, hein, voilà. C'est... Peut-être qu'il est pas bon, hein. Ah bah si, c'est du Nespresso. Il peut être que bon. Que dis-tu? Après ça dépend de la capsule que tu mets dedans. Si tu mets une capsule de café pas bon, il sera pas bon, hein. N'empêche que voilà, ouais, t'es sur un site comme ça, ou en camping, ou au bureau, n'importe où, s'il n'y a pas de cafetière au bureau, ça, c'est vachement sympa. Mais pour nous, voilà. Tiens, il y a une batterie qui est chargée. Donc le X-Tenergy est en route. Regarde. Avec le USDT, et... c'est le mien, je suis à zéro. Voilà, t'as gagné. J'ai gagné, allez. Ah ouais, à 2 ampères, ça va vite. Hop, une batterie de chargée. Donc je sais même pas si on va user toutes les batteries du coup, vu ouais. qu'on les recharge au fur et à mesure. Tasse Killer sait faire un bon café. T'as vu? Et dans Tasse Killer, il y a tasse. Ouais, c'était pour le tour. Donc oui, on met la capsule en premier, avant l'eau, c'est mieux, ça évite de le retourner. C'est marqué dans la notice, le retournez pas une fois que vous avez mis l'eau. Alors, ce petit café, ouais, il est très bon. Il est très bon. Comme à la maison. Comme à la maison. Ah, t'as vu? Je pourrais même le mettre directement au-dessus de la tasse. Hein.
On peut faire ça. Allez, deuxième petit café. Bon, bah, vous avez compris comment ça fonctionne. Moi, j'en suis bien content de ma petite Cisno. Allez, on se retrouve en vol pendant que je bois mon petit café. À tout de suite. Allez, hein, la star. Oh, oh. Superbe. Magnifique. Oh là, tu retombes sur nous là. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you. Bon les loulous, on vient de tester avec Yanoche. On a testé donc les trois petites caméras qui m'ont été envoyées par FXT, les mêmes qui font le Viper, le FXT Viper, le masque. Donc ils m'ont envoyé deux mini, une que j'ai montée sur le MX3 Sparrow, une que j'ai mise sur le V-Fly 150 et l'autre que j'ai mise sur mon TS-195, mon vieux Bourzi. Donc on a deux mini et une normale. On vient de tester les trois et en fait on en parlait avec Yanoche. Donc Yanoche qui tourne lui avec une Foxeer, Predator et une Runcam Eagle. Eagle 2 Pro. Eagle 2 Pro. D'accord. Voilà. Donc voilà, bah, qui sont de la taille de la. Ah non, elles sont un peu plus larges même. Parce que celle-ci est fournie avec l'élargisseur, le montage, pour avoir la taille justement d'une grosse. Et donc bah, voilà, résumé de la situation. Pour toi, ton avis sur ces trois cams? Ah bah moi, pour moi, elles sont. Il n'y a pas grand chose à dire quoi, elles sont vraiment lumineuses, on voit très bien. Enfin, moi j'ai pas vu trop de différence avec celles que j'ai en fait. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est assez clair, c'est net. Même voir,
je m'avance peut-être un peu. Ouais. De meilleure qualité. Bah plus récente, déjà. Plus récente, puisque là, c'est vrai que la Eagle Pro... L'image, franchement... C'est super net. Hein. Donc moi, je mettrai quelques petits DVR, hein, bien sûr, en incrustation. Là, tout de suite, là. Bam. Voilà. T'as vu, ça te gêne pas le DVR pour parler, c'est bon. Tu dis, hein. Pour résumer, bah, bonne petite cam, quoi. Ah ouais, y a rien à dire. Franchement. Pour le... Enfin... Honnêtement... Comparé aux deux autres qui sont réputés, là, ça, elles font sérieusement concurrence, quoi. Pour moi, c'est clair. Puis elles viennent de sortir, donc plus récentes, ouais. Donc peut-être technologie un petit peu plus avancée par rapport à ce qui s'est fait. Je sais pas, elle est de quelle année la Eagle Pro, elle est de quand ? Celle-là, c'est pas quelle année, mais ça fait un moment. Pro 2. Il y a la Eagle 2 et la Eagle 2 Pro, qui est plus récente, je sais pas, il y a quelques mois, quoi. La Foxeer Predator, je sais plus exactement. C'est aussi. Donc ça, 6-8 mois, ouais. Donc plus on avance, plus c'est propre. En tout cas, FXT se moque pas de nous. C'est vrai que pour avoir l'avis également de Yanosh sur le masque FXT Viper, ouais. tu confirmes tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Moi, c'est impressionnant. Je sors du VRD2 pour les Fat Shark. Ah ouais, non, rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Et comparé au VRD2, vraiment beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup plus de profondeur en fait. Pour ceux qui ont des problèmes de vue, c'est parfait. Bah oui, surtout que tu peux conserver tes lunettes. Ouais. Encore une fois, ça on l'a déjà dit, mais, ouais, mais c'est... Léger problème de vue. Ouais. Vraiment léger. Mm-hmm. Et avec le VRD2, j'avais des problèmes parce qu'il aurait fallu que j'avance plus l'écran pour... Ouais, il y a toujours un petit flou avec le VRD2, moi aussi c'est pareil. Mais la clarté, la netteté de l'image. Enfin ça, on n'est pas là pour faire la promo du FXT parce que tout le monde, tous ceux qui l'ont eu, qui l'ont commandé en sont super contents. À chaque fois, c'est propre de chez propre. Mais donc, pour en revenir aux petites caméras, écoutez, je peux pas moi personnellement vous dire celle-ci est mieux que celle-là ou que celle-là. Bien sûr, je vous mettrai en incrustation ou dans les liens dans la description de la vidéo. De toute façon, je vous mettrai les liens des caméras, mais vous allez voir, on est une en 800 et les deux autres en 1000 TVL, et franchement, il y a très très peu de différence entre les trois. C'est propre, c'est net, les détails sont là. Alors après, ça dépend quel récepteur on a. C'est sûr, si on a un VRD2, on n'aura pas une image super claire. Mais maintenant, Yanosh tourne avec les Fat Shark HD3. Moi, j'ai le Attitude V4, vous le savez, et puis le FXT Viper. Et là, on a un super rendu d'image. Fat Shark Dominator V3. Dominator V3, c'est ça. Et donc, très très bon rendu d'image. Voilà pour mon petit test, en fait, pour ces trois petites caméras. J'ai trouvé que c'était le meilleur moyen. On a les trois de montée. On a testé les trois à l'affilée. Et franchement, voilà, on a une luminosité. Aujourd'hui, on n'a pas un super soleil, mais on a une bonne luminosité. Et voilà, c'est franchement, j'ai pas vu trop la différence avec ce caméra. Bien, propre. Merci mon Yanosh. De rien. C'est bon, normal. On s'en refait un petit vol vite fait. Tiens, oui, allez, c'est parti. Temps, hein. Bon, fin de la session. Yanosh termine son dernier petit vol. Et puis on va remballer. Donc petit retour sur le X-Tenergy quand même, qui a bien tourné. Il nous reste à peu près 71%. Et avec le ISDT D2, on a rechargé à peu près une douzaine de batteries, facile, sur la journée. Des 850 mAh ou 1300. Et il reste encore 71%. Donc on pourrait encore recharger facilement une 10-15 batteries. Ça dépend de la puissance. Mais bon retour, ça marche super bien. Allez, on remballe tout ça et puis on vous dit à tout à l'heure pour le... Hein ? Les drones marchent moins bien. Les drones, moi, ouais, il y a certains drones qui marchent un peu moins bien. Ça fait marcher les drones moins bien, ce truc. On a eu un petit peu de soucis, comme ça, mais très léger, hein. Sinon, la plupart des drones fonctionnent, il n'y a pas de soucis. On n'a pas tout cassé, tout va bien.
avec le bronze à l'eau. Get the party, get the party, get the party, get the party, get the party.